Nous avons considéré, comme on l'a dit tantôt, que c'était une réunion de prise de contact. Maintenant, beaucoup ont eu la possibilité de s'exprimer et de dire voilà les dérives qu'il faut éviter, il faut résister à la démagogie, à la pression de toutes sortes de forces pour lui, le colonel Doumbouya. Il semblait bien approuver ça. Maintenant, les partis vont se retrouver. Moi, je suis à la tête d'une coalition politique forte de 22 membres. Et puis, on va contacter les autres coalitions pour savoir si on peut harmoniser nos positions, justement dans cet exercice de définition des termes de cette transition qu'on va soumettre justement au CNRD. Vous êtes satisfait de cette première prise de contact? Oui. Plutôt, puisqu'il a dit qu'il souhaite que nous puissions travailler ensemble et que toutes les propositions qui seront faites dans la mesure où elles seront jugées cohérentes avec l'intérêt de la nation seront prises en compte. Et nous sommes satisfaits de pouvoir contribuer à la définition donc, des termes de cette transition. Comment ça s'est passé? Il a fait une allocution, c'est ça? Il a décliné un discours, il a passé la parole au leader politique. Chacun s'est exprimé par rapport à l'offre, par rapport à la proposition qu'il a faite d'impliquer l'ensemble des forces politiques, justement, à cet effort de gestion, d'abord de définition des missions et des termes de cette transition, mais également dans sa gestion. Est-ce que vous êtes rassuré quant à cette transition, quant à la suite? Vous êtes rassuré comme vous? Bon, écoutez, on jugera tout le monde ça. Nous, actuellement, je pense que l'ensemble des partis qui ont pris la parole ont exprimé leur disponibilité. Certains ont mis en garde par rapport à certains risques de dérive, de culte de personnalité, de personnalité. Il semblait approuvé et nous pensons que jusqu'à preuve du contraire, il est de bonne foi et qu'il souhaite recueillir justement les réflexions de tout ensemble des acteurs politiques. Donc, est-ce qu'il est prévu déjà une autre consultation? Je ne sais pas, ça c'était à cette consultation, là c'est à son initiative. Sans doute l'inspiré qui recevra des contributions des uns et des autres, pourrait décider de nous rencontrer pour peut-être dire ce qu'il a dit. Est-ce que vous parlez comme ça, Nana? C'est bon, Sarah, c'est bon. Attendez, téléphone. Thank you.